Salut tout le monde, venez nous rejoindre sur la Sibylle et n'hésitez pas à prendre le micro. Oui Eric, voilà, j'arrive à la sortie 26, les bonnes 73. Station, les 73 également de la part de Dindy 33, voilà, au niveau, j'arrive sur la station, les stations totales, la rocade rive droite. Et ça a l'air de bouchonner en direction de Paris. Derrière toi. Le camion rouge derrière moi. Alors attends, je suis en train de regarder dans mon rétro, je vois un 1000 pattes rouges. Je vois pas encore d'antenne. J'ai un push derrière moi, il a pas la CB. Je te vois pas. Mais je suis pas loin, je suis dans la sortie là. Ah, t'as pas encore. D'accord, ok, t'es pas encore sur la sortie. Oh non. Ah, ouais, d'accord. Voilà, moi j'arrive à la sortie 27, la sortie Lormont. Et j'attrape ensuite direction pour l'Aquitaine. Pareil. Oui Eric, les 2073 à toi, eh ben, tu vois, il y a une autre station là avec nous, là, qui est, on va dire, peut-être 400 mètres derrière moi. QB 33. QB 33, c'est ça? Scooby-Doo 33, ça me dit quelque chose. Oh, je t'ai déjà entendu. Possible, j'ai souvent d'accord, ok. Eh bien là, je suis en compagnie de Eric, 14-8 ans, Eco 27, qui est lui, là, sur Villeneuve d'Ornon. Ah oui, puis là, on fixe. Ouais, ouais, ça roule. Bon, je suis à 70. Voilà. Ah, moi, en tout cas, je m'en vais au pro, là. Je suis en push, là, je m'en vais au pro. Là, sur Bordeaux, au nord. Et moi, je suis dans le train du pro. Ok, d'accord. Donc, t'es en 1000 pattes. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre du monde un peu sur le 19 ailleurs que sur les autres canaux, quoi. C'est ça. Ça revient de plus en plus à ces bichons. Ah, voilà un truc qui fait plaisir. Affirmatif. Surtout que là, on a toute une équipe à y travailler, justement, là, sur Internet, tout ça, les salons, et ainsi de suite, justement. Là. D'ailleurs, j'ai même mon propre forum, la planète Sibi francophone. Je suis aussi avec le forum Les Ondes du Routier. Pour ma part, je suis partout, quoi. Sur les routiers, moi aussi. Sur les Ondes du Routier, c'est ça? Ouais, affirmatif Eric, voilà, je suis en compagnie de Scooby-Doo 33, là, qui est, si j'ai bien compris, il est aussi sur le forum des Ondes du Routier. Voilà, je suis en haut du pont d'Aquitaine, alors les 2073-51, à toutes les stations en fréquence, depuis le haut du pont d'Aquitaine, et pour ce qu'il en est du pont, eh bien, il y a du monde, c'est chargé, mais c'est tout cuiro, ça roule bien dans les deux sens, sur le pont, bien entendu. Ok Eric, voilà, donc il y a Scooby-Doo derrière, je sais pas si tu non, c'est encore trop tôt pour que tu l'entendes. Là, il est encore là sur la rocade rive droite, là, il doit être du côté de la bretelle pour aller vers le pont d'Aquitaine. Voilà, exactement, et puis par la même occasion, la petite vidéo qui va bien, voilà. Et justement, tu vois, Scooby-Doo 33 disait là juste avant qu'il a remarqué qu'il y avait de plus en plus de stations qui revenaient à Sibi. Et bien voilà, voilà un truc qu'on aime entendre. Ah si, oui. Alors, tu vois, là, c'est avec ce que je viens d'entendre de la part de Scooby-Doo, c'est la super forme. Eric, pendant que j'y pense, si cet après-midi, tu m'as vu connecter sur Facebook, eh bien non, c'était pas moi. Je me suis fait pirater mon compte, là, aujourd'hui.
j'ai changé de mot de passe là, provisoirement, mais je reverrai ça là tout à l'heure. Quand je me suis connecté, quand j'ai lancé moi, ma page de connexion Facebook, qu'est-ce que je vois? Dandy Radio CB est sur Internet et sur Facebook. Pardon, là je crois pas, non. Et je me retrouve avec un message de quelqu'un me disant combien je le vends. Je sais même pas de quoi il parlait, l'OM. Donc j'ai vite compris, tiens, là, messieurs la police, voilà. Donc j'ai vite compris, j'ai vite changé le mot de passe. Et puis voilà quoi. Donc s'il y a eu quelques vagues depuis mon compte là aujourd'hui, ben désolé, c'est pas de ma faute. Attends Eric, je t'ai entendu mettre tout petit, il y a aussi Scooby-Doo derrière, il pourra pas suivre. Attends deux secondes Eric, ouais Scooby-Doo, tu prends direct son bon feur. Est-ce que tu as la BLU sur ton poste Scooby-Doo? Attends Eric, Scooby-Doo, est-ce que tu as la BLU là sur ton poste? D'accord, ok. Eric, est-ce que tu m'entends? Le sagouin, il est passé sur le même en BLU, quoi. C'est lui qu'on entend gazouiller comme ça derrière. Hachi. Voilà, je suis derrière au champ. Là. Je descends le pain à Guidem. Ah oui, je vois ça. Ouais Eric, je peux pas passer en BLI pour le moment, il y a Scooby-Doo 33 là, qui est avec nous sur le 19 et son poste n'est pas équipé BLU. Rémi, je t'entends pas là, passe le vin, canal 20 en 19. Ok, bon, excuse-moi Scooby-Doo, Eric a du mal à m'entendre, je passe sur le 20 mais en USB. Les bonnes sont presque 51, toi, content de t'avoir eu en fréquence Scooby-Doo, et à très bientôt. Bon week-end. Ok. Alors, bon, je m'arrête là. Deux secondes, je suis passé où? Ok. Attends. Parce que là, je suis en train d'essayer de faire pas mal de choses en même temps. Ça coince un peu, là. Ok, Eric, est-ce que tu es là? Attention, Eric. Bon, Eric, je t'ai perdu. Passe sur le 20, tu es en train de perturber le 19, le canal 20, c'est quoi déjà, 27-205. Oui, mais là on perturbe le canal 19 en AM, monte sur le 27-205, canal 20. Ouais, voilà, parce que là ils vont crier au secours, là sur le 19. Hein. Ah ok, voilà, donc c'est vrai, moi je suis pas sûr d'être parfaitement bien calé, donc je prends le micro, je disais donc là, tout à l'heure, il y avait Scooby-Doo 33 qui était avec nous, donc un mille pattes, et si j'ai bien compris, il est également avec nous sur le forum Les Ondes du Routier, voilà, ok. Ouais, je t'ai demandé de passer sur le 20 en USB, sur le 20, parce que là, sur le 19, là, pour le coup, là, on allait casser les oreilles à tout le monde, hachis trois coups. Ok, c'est bon, là, c'est un peu calme.
Voilà, ok. Donc, ben, c'est génial. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à t'entendre, tu vois, là, j'ai lancé là, une petite vidéo. Je suis tombé, et en répondant à tes appels, apparemment, bon, tu m'entendais pas, il y a Scooby-Doo33 là, qui m'a répondu, qui lui me suivait là derrière. Il était, je sais pas, peut-être 400 mètres, 300 mètres derrière moi. Et bien c'est tout bon, tu vois. Et de son côté, il a remarqué qu'il y a de plus en plus de monde qui revenait en fréquence. Ah oui? Eh merde! Et moi qui étais au 144. Putain, mais c'est pas vrai ça. Tu vois quand je dis que dormir c'est une perte de temps. Eh oui, c'est exactement ça quoi. Putain, bordel! Ouais, alors du coup, ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si tu es allé sur Facebook aujourd'hui, mais si des fois tu m'as vu là dans la journée, eh ben c'est pas bon, c'était pas moi. Je me suis fait pirater mon compte. J'ai vite changé le mot de passe tout à l'heure, mais je le rechangerai à nouveau là dans la soirée. Ah oui, d'accord. Évidemment, pour te faire pirater le compte, c'est pas évident pour ça. Ouais, surtout que j'ai un mot de passe qui est assez long. Il y a bien une bonne quinzaine de trucs dedans, mais ça suffit pas encore. Ouais, déjà, toi, quand j'ai lancé la page de connexion Facebook, qu'est-ce que je vois d'affiché? Dandy Radio CB est actuellement connecté sur Internet, sur Facebook. Pardon? Ah, non, je crois pas, quoi. J'avais pas encore cliqué sur connexion que j'étais déjà connecté. Je me connecte, je fais des connexions, je me reconnecte, et pour atterrir dans mon dossier image, alors que normalement on tombe sur la page d'accueil, puis là-dessus, j'ai un message perso de quelqu'un qui me dit comme ça, tu le vends combien? J'ai quoi? De quoi il parle? Je savais pas de quoi il parlait, le mec tout surpris. Là-dessus, je lui dis comme ça, mais tu m'as vu connecter tout à l'heure? Il me dit, bah oui. J'ai dit, ben non, j'ai ok, je change mon mot de passe de suite. Et en changeant mon mot de passe, j'ai fait éjecter tous les appareils qui étaient connectés à mon compte. Et puis voilà quoi. Mais bon, là tout à l'heure ou dans la soirée, je retournerai là sur mon compte. Je modifierai complètement le style du mot de passe pour faire autre chose complètement différent et encore plus long. Quoi. Là, ça commence à me les briser menus, hein. C'est, en ce moment, ça arrête pas, hein. J'en ai vu d'autres aussi, là, qui se sont fait pirater leur compte, là, sur Facebook, là. C'est un seul bordel, quand ça commence comme ça, ouais. Et t'es sûr que c'était pas quelqu'un, que t'étais pas connecté deux fois, des fois. Parce que ça peut arriver de le faire, ça. Quand tu t'es connecté deux fois avec le même compte. Non, impossible. Impossible, puisque je l'ai que sur mon petit netbook. Voilà, c'est tout. Là, sur mon téléphone, je ne l'ai pas configuré, j'y comprends rien. donc, je l'ai que sur mon petit netbook. Et ce matin, vers les 5h moins le quart, ouais, c'est autour de ça, j'étais déjà plus dessus. Et puis, bon, comme à chaque fois, je fais bien des connexions. Hein. Donc il y a aucun problème à ce niveau-là, quoi. Ouais, parce que ça peut arriver des fois où, quand tu utilises deux ordinateurs avec le même compte, par exemple, parce que moi ça m'était déjà arrivé avec deux ordinateurs différents d'aller sur le même compte Facebook, ça arrive aussi, mais ça doit te le marquer normalement. Ouais, mais bon, quand même, quand j'affiche la page de connexion, comme il dit que je suis déjà connecté, qu'une fois connecté, je me retrouve bizarrement dans mon dossier image, alors que normalement c'est la page d'accueil, et que tu as un message perso qui te dit combien tu le vends, alors que je ne vends rien, sur le coup, t'es un peu surpris, quoi. Tu te dis là, c'est pas possible. Ah, t'as vu, par sécurité, mais tu changes tout le mot de passe. Et puis, essaye de mettre les majuscules, les minuscules, et tout le machin pour que ça soit plus compliqué. J'ai même une chie de ponctuation et tout entre différentes lettres et chiffres. C'est un mélange de lettres, de chiffres, de ponctuation là, que j'ai en ce moment. Mais visiblement, c'est pas encore suffisant.
Il va falloir que je mette un grand coup de balai là, dans ce mot de passe pour en faire un encore plus complexe. Ah ouais, génial. Et au fait, Windows, quand tu es connecté via un téléphone, il récupère pas les mises à jour là de ce côté-là, parce que normalement quand c'est en contre en merde, je vais y arriver, en connexion restreinte comme ça, les mises à jour, il doit pas les prendre. En connexion restreinte, si. Les mises à jour, tu peux la faire avec n'importe quel débit. Hein. C'est ce qu'il y a, c'est plus ou moins long. Ouais, parce que là, en 3-4 jours, sur mon abonnement, sur mon truc de téléphone, j'aurais bouffé 1,4 giga. C'est pas possible. C'est pas possible, je regarde aucune vidéo quand je mets mon téléphone en modem, justement par rapport à ça. Donc je crois que ce soir, mis à part changer vite fait à nouveau, là, une deuxième fois, le mot de passe de mon compte Facebook, je vais peut-être pas faire grand-chose d'autre, tu vois, là. Ah non, mais t'as raison, là, faut pas laisser comme ça. Hein. Et c'est vrai que ces derniers jours, il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites sur les PC. Hein. Là, je l'ai eu, moi, parce que j'en ai eu 18, je crois. Oh la vache, ouais, bah à tous les coups c'est ça. 1,4 giga, en principe, il me faut bien 2-3 semaines pour les bouffer, quoi. Puisqu'en principe, tous les mois, jamais, j'ai droit à 3 gigas. Voilà ce qu'ils appellent le illimité. Et en principe, je les mange jamais. Et putain, là, déjà, sur 3-4 vacations, 4 vacations, j'ai bouffé 1,4 giga. Je me suis dit, ah non, là, faut que je mette un grand coup de frein, sinon je vais jamais tenir jusqu'au 5 du mois prochain, quoi. Ah, mais ce que tu fais, tu peux bloquer ces mises à jour, et puis tu devras bloquer ce téléchargement pas, hein, c'est la possibilité. Hein. Va falloir que je cherche un petit peu sur internet, car je sais ce que tu en penses, mais je suis sur Windows 10. Alors j'ai nettoyé tout ce qui est pris en compte à distance, j'ai bloqué les prises en compte à distance, j'ai bloqué toute la série de mouchards. On trouve la liste hein, sur internet, hein, c'est très facile. Et après, c'est vrai qu'il fonctionne mieux, il est plus léger, quoi. Mais le truc de mise à jour automatique, ça par contre, j'ai pas encore trouvé comment lui faire accepter de juste m'avertir et pas télécharger, quoi. Ouais, et une autre question. Ton Facebook, là, tu te connectes avec Windows 10 ou pas? Oui, vas-y, dis-moi. Bon d'accord, je ferai une petite recherche sur internet. Ok, ouais, t'as raison, dis rien pour le moment. Là. Mais c'est pour ça que j'avais oublié de te poser la question. Je voulais savoir si tu te connectais à Facebook, justement, là où t'as eu le piratage, avec Windows 10. Mais si c'est ça, cherche pas plus loin. Ouais, mais bon, j'ai quand même j'ai cherché là tout ce que je pouvais bloquer au niveau des mouchards et tout ce qui s'ensuit. Même le truc de recherche de fichiers dans l'ordinateur, tout ça, je l'ai bloqué aussi parce qu'il y a aussi un mouchard là-dedans. Dans la base de registre, j'y suis allé. Planificateur de tâches, j'y suis allé. Les services, j'y suis allé. Dans la configuration personnelle, j'y suis allé aussi. Là, j'ai bloqué là de ce côté-là. Ou alors envoie-moi un message perso. Comme ça, ça restera discret. Je pourrais voir ça. Sinon, je chercherai sur internet. Ben, pas cette nuit en tout cas. Ouais, non, mais après, il y a des soucis
de logiciels qui deviennent obsolètes, des trucs comme ça. De toute façon, tu sais que maintenant, les Windows sur les Windows ben, sur CD, on les a plus. Hein. C'est préinstallé et puis c'est tout, quoi. Là, mais disons que moi, ce qui m'emmerde, c'est que il y ait des logiciels que j'ai impérativement besoin sous Windows et que je n'arrive pas à trouver sous Linux. Sinon, il n'y a pas photo, hein. Je préfère Linux largement. Hein. Oui, non, mais ce que tu as sous Windows, tu peux sauvegarder tes programmes, tes logiciels que tu as besoin. Moi, tu vois, je l'avais parlé il y a quelque temps de ça, je t'avais parlé à toi, et puis j'avais parlé à d'autres personnes qui vont répondre exactement la même chose que toi. Et la fois d'après où je les ai vus, et bien, ils m'ont dit, Eric, si j'ai donné ta j'ai tout formaté, j'ai tout réinstallé parce que j'ai eu de gros problèmes. Après, là, tu fais comme tu veux, mais à mon avis, si tu laisses cette version-là, j'ai bien peur que tes problèmes recommencent. Ouais, jusqu'au jour où je vais craquer, que je vais virer Windows, oui, effectivement, pour remettre le Linux. Après, Linux, je ne pourrais pas te dire, moi, je ne le connais pas. Donc, je connais bien Windows, mais je ne le connais pas. Mais toutes les personnes à qui j'avais parlé, malheureusement, on a eu des soucis, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas tilté de suite tout à l'heure quand de te poser la question. Mais si c'était avec le 10, mais tu me l'as dit toi-même, donc je comprends déjà. Ah ben, de toute façon, en ce qui concerne Linux, tu as le choix des distributions. Hein. Là, c'est t'as énormément de distributions différentes les unes des autres, suivant les situations que tu veux, les envies, ceci, cela. J'ai commencé il y a, ça doit faire peut-être une dizaine d'années, oh oui, facile, que j'ai commencé là-dessus, quoi. Et pour une question de place, vu que je suis avec un petit netbook, je l'avais enlevé, mais c'est vrai que là, je regrette de l'avoir enlevé. Je te crois, c'est vraiment, parce que là, je te dis, je ne connais pas, moi, je ne sais pas, je ne connais pas, hein. Mais pour Linux, je ne peux pas te dire, là, c'est un logiciel que je ne connais pas du tout. Je l'ai vu une fois journée comme ça parce que je connais quelqu'un qui l'utilise, mais je ne pourrais pas en parler parce que honnêtement je ne sais pas. Mais l'autre j'en suis sûr pas. Et tu vois, je ne veux pas mettre la tête à couper, mais je dirais vu comment ça s'est passé, à 90%, je suis très sûr que j'arrive là. Ouais, bah disons que... Attends une seconde. Voilà, le temps de passer la vitesse. Disons que sous Linux, déjà, tu as beaucoup moins de services de lancer. Donc, ce qui te fait un système beaucoup plus léger. Et là-dessus, c'est vraiment du sécurisé. C'est pas du n'importe quoi comme sous Windows. Oui, tu prends Windows, tu prends le 7, que je le connais bien. Tu prends Windows 7. Par contre, à éviter le Vista, je déconseille Vista où il y a des gros problèmes de conflit. C'est sûr, oui. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas longtemps encore, un copain où j'ai voulu lui programmer le pervers complètement, tu sais comment on avait fait une fois là, avec notre ami. Et écoute, impossible à Vista de connecter le programmer le pervers. Impossible. J'étais obligé d'aller chez un autre pote qui n'était pas très loin, qui lui a Windows 7, à le 7, et bien en 3 secondes, ça s'est fait. Ouais, bah, j'en ai entendu suffisamment parler, Hachi. je sais de qui tu parles, il n'y a pas de souci. Ok, en fait, j'ai discuté longuement cet après-midi avec notre ami Cédric. Tu le connais, Cédric? Ah bah tu m'étonnes, c'est lui qui t'avait zappé sur la vidéo il y a l'année dernière. Non, c'est pas lui, c'est Cédric du Barp qui est des fois assez long au chemin. Cédric du Barp, là ça me revient pas là. Oui, il t'a ajouté, il t'a
toujours, hein, 18 ans, là. Et c'est hier ou avant-hier? Ouf, attends, c'est Philippe. Alors, c'est pas Philippe, moi, c'est Cédric. Et son tuteur, c'est le marteau. Et s'il est souvent sur sa maison, ça. Chez. Il module depuis chez Beltoise ou quelque chose comme ça, non? Ouais, là, dernièrement, il vient de réparer un poste, là. Et puis, si on vient pas creuser, qu'il arrive pas à voir ça. Ok, d'accord. Et. Okay, attends deux secondes. Ouais, voilà. Et ouais, j'ai entendu ça dernièrement là, qu'il était en fréquence là depuis chez Beltoise. Mais là, j'ai discuté avec lui longuement l'après-midi là, quand je suis revenu chez mes parents. Et puis, voilà quoi. Et il va venir nous voir Affirmatif, ah, c'est sûr que je l'aurai. Ah ouais, ah putain, oui, j'ai pas eu le temps de contacter Daniel encore pour lui dire là qui s'ajoute à la liste là sur Facebook là de ceux qui participent. Bon, là j'arrive au pro là. Je vais te laisser, je vais t'envoyer les bonnes 113-51, merci pour le petit QSO, et je te dis à demain soir. On est quoi, on est jeudi? Ouais, demain soir. Ouais, pas de problème, mais où c'est que tu as mis ce liste? Tu sais, en créant l'événement de pour Radio Broc, là, quand, sur le groupe Division 14 ODR, quand j'ai créé l'événement pour Radio Broc, il y a des gens qui viennent cliquer dessus, quoi. Ok, mais je vais le rajouter alors, j'ai pas fait avant. Ouais, voilà, les gens justement cliquent dessus pour voir qu'ils vont participer, qu'ils sont intéressés, toi, et trucs comme ça, quoi. Allez, je te laisse, je coupe, les 913, merci à toi, à plus, à demain soir. Ok, pas de problème, bon courage, bonne nuit, bye bye. Merci, bye bye.